Hey, bonjour tout le monde, et bien donc aujourd'hui on se retrouve sur Amour Secret. C'est parti. Alors du coup, désolé, excusez-moi, je m'excuse hein, énormément. Parce que le problème étant que pendant les vacances, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. Je n'en ai même presque pas fait. Parce que mon ordinateur a eu un énorme bug. Du coup, je pouvais pas faire de vidéos tout court. Même si je pouvais faire des vidéos, je pouvais pas faire sur Amour Secret, je pouvais pas aller sur internet, ça voulait pas, ça buguait. Mon ordinateur à chaque fois il s'éteignait. Donc du coup c'est pour ça, je m'excuse hein, énormément. Et voilà. Donc du coup comme pendant les mercredis précédents, je n'ai pas fait de vidéos et j'ai pas avancé. Maintenant, j'ai 124$ et 112 pas. Donc, c'est super cool. On pourra sûrement pas mal avancer. Sûrement terminer cet épisode et arriver à l'autre au niveau de l'achat. C'est parti, on va commencer. Donc, du coup, le lycée. Excusez-moi. J'ai peur que vous ne m'entendiez pas. Vraiment désolée hein, si vous n'entendez pas de son, je m'excuse énormément. Vraiment désolée, hein, mais voilà. Sinon après, je crois qu'on m'entend pas, je ferai encore des tests. Parce qu'il faut encore que je rajuste le logiciel et ainsi de suite. Donc voilà. C'est parti. Alors, déjà, mes objectifs. Acheter les mêmes hauts, colliers et sacs cambre dans la boutique de vêtements. Portez-les tous et retournez au lycée. Moi, je trouve que cette idée était nulle, mais bon. Non, c'est ici. Boutique de vêtements. Qu'est-ce que j'avais acheté déjà, moi? Je me souviens, j'avais acheté quelque chose. Je crois que c'est un haut ou quelque chose en genre. Ouais, j'ai acheté son haut. Est-ce que j'ai acheté son sac? Je l'avais pas acheté. Oh, attendez, on va quand même voir. Non, par contre, j'ai une petite robe toute mimi. Bon, bah, par contre, pour ses chaussures, hein, je sais pas. Alors, pantalon, je vais prendre exactement le même que j'ai. Par contre, je vais tout enlever, je crois. Alors, attendez. Je vais mettre le haut. Par contre, je vais enlever la robe. Je vais enlever... Bon, les chaussures, on ne voit pas. Du coup, je vais enlever la petite veste. La petite veste. Voilà. Et puis, bah, voilà, je crois. Attendez, je vais voir si j'ai des chaussures beaucoup mieux. Non, je ne suis pas là. Là, voilà, on va mettre ça. Maintenant, il me reste à acheter le petit sac. C'est parti, j'espère qu'il ne coûtera pas très très cher. 35$. Ah ouais, quand même. C'est cher pour un petit sac. Bon, bah, j'ai pas trop le choix. Acheter. Bah, du coup, je pense pas que l'on pourra acheter. Enfin, voir l'illustration de fin. Parce que je n'ai pas assez d'argent. J'ai même pas 100$. Donc, voilà. Bon, bah, je l'ai acheté. Maintenant, je m'étais habillée en... Ah, attendez, on enlève ça. On enlève le haut. On va mettre ça. On va enlever la robe. On va mettre le petit pantalon. Notre petit pantalon. Attendez. Par contre, on va quand même faire ça bien. Voilà. Et les chaussures, moi j'avais dit une petite paire de... Voilà, de ballerines. Et le sac, ce que j'ai oublié. Voilà. Enregistré. Maintenant, on va à la ville, on va au lycée. Couleur principale. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as oublié de me donner quelque chose? Quelques dollars, c'est ça? Partir vite. Et pourquoi? Elle a pas vu mes vêtements? Et franchement, je trouve que son idée est vraiment nulle. Hein, mais bon. Là. Aïe! Mais quelqu'un m'est rentré dedans.
Dis donc, fais attention où tu marches. Quoi? C'est qui? Quoi? C'est toi qui m'as foncé dedans. Désolée, je t'ai pas vu. Je suis pas trop méchante, hein. C'est pas grave. En fait, je vais voir mon petit ami. Je suis un peu pressée. J'ai pas fait vraiment attention. Ton petit ami? C'est quelqu'un d'ici? Non, il n'est pas dans ce lycée. Tu ne dois pas le connaître. Oh, moi, c'est Rosalia. C'est joli comme prénom. Rosalia. Encore désolée pour la bousculade. À plus. À plus. Elle est repartie en courant. Je me demande à quoi ressemblait son petit ami. En tout cas, elle est super jolie. Et quels cheveux? Ouais, ils sont super beaux ces cheveux. Moi, j'ai toujours changé hein, de couleur ou de coupe. Mais bon, voilà. Oui, donc. Qu'est-ce que chose? Et pourtant, elle doit aller voir. Attendez, à moins que j'ai oublié quelque chose. Attendez. Je vais aller voir dans mes amis. Alors, c'est pas vraiment mon ami, mais bon. Des filles. Alors. Ah, j'ai oublié son. J'ai compris. J'ai oublié son collier. Le voilà. Franchement, c'est pas donné, hein, les trucs. Bon, encore ça va, c'est raisonnable pour ça, mais bon. Est-ce que c'est tout ou il faut absolument que j'achète le bracelet? Attendez, on va aller voir. On va tester. Est-ce que tu es allé la voir? Pas encore, je n'ai pas eu le temps. Ok. Sérieux, c'est ta sœur, bouge-toi. Ok, de toute façon, ça presse pas. Ça presse plus vraiment. Ok, je repasserai. Je vais être douce avec lui. Bien sûr, je te tiens au courant. Si elle en fait vraiment, si elle fait vraiment ce genre de bêtises, c'est grave. Il faut que je lui parle rapidement. Pourquoi tu le fais pas? Eh, franchement, il a eu toutes les vacances. Pour le faire, il l'a pas fait. Je crois vraiment qu'il faut en fait que j'achète le bracelet. Je sais pas s'il faut que je l'achète ou s'il y a totalement autre chose. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Oh, ils sont super beaux les maillots de bain. Franchement, ils sont super beaux. Oui, donc du coup, qu'est-ce que je fous là? Moi, c'est dans bracelet, voilà, que j'ai besoin. Non, pas en dernier. Non. Attendez, il y a forcément un truc que j'ai loupé. J'ai bien le sac. Le collier. Ah, j'ai oublié de l'enregistrer, le collier. Je comprends mieux. Collier, ça. Enregistré. C'est bon. Dans la ville. Bon, ben. Là-bas, je vais là-bas. Si tu te venges. Attends. Si tu te venges pour de bon, raconte-moi. Je suis plutôt curieux. Eh bien, m'aider comme ça tu seras. Ok. Attendez. Il y a des boucles d'oreilles. Voilà. Une ceinture, non. Là. Le sac, là. On a tout. Il n'y a pas les bracelets. Peut-être les boucles d'oreilles. Attendez, on va voir. Boucle d'oreilles. Où est-ce que ça peut bien être? Peut-être là-dedans. Non, même pas. Il n'y a même pas des boucles d'oreilles. Où est-ce que l'on peut trouver des boucles d'oreilles? Attendez, je vais regarder là-dedans. Attendez, mais ça peut pas être ça. Hein, ça c'est ça? Non, ça peut pas être ça.
Mais franchement, je vois pas où est-ce que ça peut. Enfin. Où est-ce que ça peut poser problème là par rapport à ça? On a le collier, on a ça, on a le sac, on a bien des. Voilà. Je vais acheter une perruque non plus. Acheter collier, sac, la boutique de vêtements, porter tout et retourner. Attendez, est-ce que c'est le bon sac? Normalement, ça devrait être le bon sac, non? J'ai pas raison. Ben oui, c'est le bon sac. Alors, haut, c'est bon, collier et sac. Haut, le voilà, le collier et le sac. Le petit sac. Bon, attendez. Non, franchement, là, il y a un petit bug. Ah. Hé, hey, attends. Non, mais c'est quoi cette tenue? Ben, tu vois, j'ai investi ce qui me restait d'argent dans des fringues de mode. Mais ce sont les mêmes vêtements que moi. Oui. Ils sont pas terribles, hein? Ok, 30 points. Ah, elle ne dit plus rien. Et elle a l'air énervée. Je crois que j'ai réussi mon objectif. Super, je leur ai dit. C'est vrai, désolée, mais ces vêtements-là ne te vont certainement pas aussi bien que moi. Ah ah ah. Tu as tellement peu de goût que tu es obligé de copier mon style, mon super style. Pour essayer de rassembler, pour essayer de ressembler à quelque chose. Excusez-moi. Ça va pas très fort quand je. Ah. Bon alors, tu dis plus rien? Allez, c'est pas grave. Si tu me payes assez cher, je serais peut-être d'accord pour t'apprendre quelques notions de mode. J'en veux pas de ta notion de mode. Elle me saoule, elle me gonfle. Non, non, je refuse. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que je trouve quelque autre chose. Iris, c'était nul ton idée. Alors, tu as essayé? Oui, ton idée était plus neutre. Ça n'a rien donné à part m'afficher. Je vais quand même être assez gentille avec elle. En plus, je suis qu'à 15%, alors que normalement, je suis gentille avec elle. Je vais pleurer. Je vais flouter. Je l'ai fait, mais je me suis juste affichée. Elle a presque pas réagi. Ouais. Oh, je suis désolée. Ce n'est pas vraiment mon fort de faire ce genre de blague aux gens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais chercher une autre idée. Je suppose que je suis plus dans le cours alors. Ah, ne sois pas trop méchante avec elle quand même. Non, je veux juste lui faire une super bonne, tu vois? Tu ne l'as toujours pas vue, n'est-ce pas? Non, en effet. Désolée. Bon, il faut que je trouve quelque chose pour rendre la monnaie de ta pièce de la monnaie de sa pièce à ta sœur. Bon, je veux me venger de ta sœur. Bon, tu veux pas m'aider à filer une correction à ta sœur? Alors, on va faire quelque chose dans ce genre. Tu veux te venger? Est-ce que ce n'est pas un peu stupide d'agir comme elle? Je veux faire pire qu'elle. Non, pas forcément, mais je veux au moins qu'elle ait peur, quoi. Qu'elle réagisse. Ça va, attends. Rien de bien méchant non plus. Oui, attendez. Bon, apparemment, l'administration ne fait rien. Alors, je vais me débrouiller. Attendez, là.
Oh non, j'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Je ne peux pas cautionner ce genre de choses. Tu sais, tu n'es pas obligé d'être au courant. Bon, je suppose que tout n'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Je vais d'abord lui parler, d'accord? Et promis, si elle ne veut rien savoir, je t'aiderai à lui faire une mauvaise blague. Ok, ça marche. Alors, vengeance des pains bêches? Oui, j'ai envie de lui mettre un gros coup de poing dans sa figure. Parce qu'il va encore se moquer de moi, je crois. Non, j'ai pas eu une idée bien brillante. En fait, c'était pas la tienne, c'était celle d'Iris. Alors dis-le, c'était celle d'Iris. C'est pourtant pas très compliqué. Bah, donne-moi une idée. Oh, c'est pas possible. Si tu as des idées, je suis preneuse, hein. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et tu dis que c'est pas si compliqué, alors donne-moi une idée, un exemple. J'y ai pas réfléchi, hein. Et si c'est pas si compliqué, normalement, t'as pas besoin de réfléchir. Allez, s'il te plaît. Je suis sûre qu'un voyou comme toi doit avoir des idées. Même pas une toute petite idée? Allez, s'il te plaît. Un, plus. Ça a baissé d'un coup. Pof! Waouh! Arrête de brailler. Comme ça. T'as t'as quoi? T'as qu'un tagué? Ah! T'as qu'à taguer son cavalier et mettre un truc dont elle a horreur dedans et voilà. Ok, taguer son casier. Et pour le truc dont elle a horreur, je la connais pas en. Et pourtant, elle est amoureuse de toi, elle devrait tout te dire. Oui. Enfin, ça se voit qu'elle est amoureuse de toi. Hein. Excuse-moi, mais voilà quoi. Elle veut pas qu'on touche à toi, elle veut pas qu'on touche à son frère, alors. Je sais pas moi. Je m'en fiche. Alors débrouille-toi pour ça au moins. Ok, merci. Sympa la gentillesse. Au fait, je ne t'ai pas demandé, mais Ambre, elle ne t'embête pas toi? Bah non, pas vraiment. Je pense qu'elle choisit ses têtes de trucs de turc. Ses têtes de turc? J'ai une tête de turc moi. Elle a une tête de turc. Tu aurais dit qu'elle a pas une tête de turc, hein? Et puis, on ne se connaît depuis, on se connaît depuis très longtemps. Oui, moi je suis quand même à faire plus d'une semaine que je suis là. Hein, quand même, on est gentil avec, hein. Puis même, je parie que si je suis, comment dire, que si par exemple je suis là depuis longtemps, elle m'embêtera toujours. J'en suis sûre et certaine. Et puis, on se connaît depuis longtemps aussi. Ça joue sûrement, je vois. Franchement, ses parents, ils l'ont éduqué, mais oh, pas très mal. Bon, allez. Dis donc, toi, tu te prends pour qui? T'es allé te plaindre à mon frère? Ah, enfin, il lui a parlé. Il t'a enfin parlé, alors. Oui, il a même osé être de tous côtés. Bah oui, tu crois vraiment qu'une fille aussi stupide, il va, comment dire, une fille qui l'embête et tout ça, il va être de ton côté. Franchement, si tu veux qu'il soit de ton côté, faut pas l'embêter, faut être super sympa avec lui. Et ainsi de suite, faut pas te faire tous les détails, hein. Franchement, ce genre de fille, moi, il y a longtemps, je me serais plainte à la direction, hein. Si elle continue, c'est ça. Voilà. Pour une fois, après tout ce que tu as fait,
T'as tout ce que t'as fait. Tu sais quoi? Je m'en fiche. Mon frère est juste délégué. T'as pas intérêt à recommencer ou tu le regretteras. Ce sont des menaces ou j'entends mal là? Vraiment. Parce que de toute façon, j'ai eu la directrice dans ma poche. Tes parents, parce qu'ils ont tellement d'argent. L'argent, ça rend aveugle. Moi, même si on te propose une tonne de fric contre échanger un élève, non, franchement, moi, je préfère mieux garder mon élève en sécurité que avoir un paquet de fric. Voilà quoi. Super. Encore des menaces. De toute façon, c'est elle qui va le regretter. Elle va voir des araignées dans son petit. Comment dire? Dans son petit casier. Une petite croix ou quelque chose écrit. Parce que si par contre pour écrire là avec pour taguer, ça sera un petit peu compliqué. Mais bon. Au fait, je le tague avec quoi ça? Et avec la bombe. Enfin pas de la bombe qui va exploser, mais de la bombe à partir. Elle est vraiment bête. Avec tes doigts. Ah ah ah, très drôle. Ben. J'ai jamais fait ça avant. Et pour de vrai. Attendez. Est-ce que. Attendez. Ça peut pas être au mec. Non, ça peut pas être là. C'est là. Voilà. Araignée. Ajoutée. Et puis. La petite bombe. Vous voyez bien du rouge sang. Ah, très drôle. Si je te dis, avec une bombe de peinture, bah oui, elle est vraiment bête, hein, elle a rien dans son cerveau, dans son crâne. C'est la révélation du siècle pour toi. Ok, ok, j'ai compris le message. Tu as trouvé ce que tu allais faire avant. Après, ce que tu dis, elle n'a plus elle. Elle va me gueuler dessus. Non, pas encore. Il faudrait que je connaisse un peu ses goûts pour ça. Ah oui, c'est vrai. Les araignées. C'est qu'en fait, je les ai prises dans le cou. Elle fait comme si elle ne les avait pas encore. Patata, patata. En fait, elle est totalement décadée. Je viens de les acheter, mais voilà. Ah, ça. À part Nathaniel, je ne vois pas trop à qui tu pourrais demander. Ok, bah Nathaniel, Nat. J'ai finalement parlé à Rome. Ça, je sais, merci. Je viens de m'adresser. Je viens de me faire agresser. Tu lui as dit quoi? Vraiment? Je suis désolée. Je lui ai dit que je la laissais pour cette fois, mais que je la dénoncerai à la directrice. Si elle recommençait. Et là, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous fais des gros gros bisous. Ciao ciao et bye bye. Bonne fin d'année et tout ça. Gros gros bisous. Je vous aime et n'hésitez pas à mettre des jeux ou ce que vous voulez en commentaire. Et bye bye. Laissez un pouce en bas. Oui, donc du coup, laissez un pouce bleu, un like ou un pouce rouge. Et bye bye.